Le chemin de fer a toujours été une source intarissable de sujets pour les artistes. Bimblottier, modéliste et imagier ont subi son irrésistible attirance. Les plus grands maîtres de la peinture contemporaine ont brossé et fixé sur la toile son caractère à la fois poétique et viril. Et son image est souvent aux cimaises des galeries d'exposition, offrant aux visiteurs une sorte de symphonie en couleurs, de fer et de fumée, qui fait rêver à des horizons nouveaux. Proie facile à ses débuts, le chemin de fer fut tour à tour critiqué, plaisanté et pour le moins glorifié par une foule d'écrivains et d'humoristes. Monsieur Thiers, président du Conseil en 1836, n'avait-il pas dit « un chemin de fer de Paris à Saint-Germain ». C'est un jouet qui amusera les Parisiens, c'est tout. Il n'était pas méchant, mais d'autres personnages insinuèrent que cet engin était dangereux et malsain. C'est sur la foi de ces polémiques qu'il fut interdit au roi Louis-Philippe d'inaugurer l'embarcadère de Saint-Germain le 24 août 1837. Le roi ne devant pas risquer sa vie en cette circonstance. Ce fut donc la reine Marie-Amélie qui tenta l'aventure au nom de son royal époux. Mais les Parisiens, piqués de curiosité et dédaignant les avertissements des pessimistes augures, firent honneur à cette nouvelle et folle invention. Voilà ce que furent les débuts du premier chemin de fer parisien et de la gare Paris-Saint-Lazare. Devant le succès de l'entreprise, elle dut être rapidement transformée et le pittoresque cédait aux exigences de plus en plus impérieuses d'un trafic sans cesse grandissant et qui atteint aujourd'hui une intensité supérieure à celle de toutes les autres gares parisiennes réunies dont elle est la doyenne. C'est aussi la plus centrale car elle est au point d'ouverture d'un éventail qui rayonne et s'épanouit sur les quartiers qu'elle dessert immédiatement et qui sont les plus affairés, les plus commerçants et les plus animés de la capitale. Un jour comme les autres se lève sur Paris tout engourdi de sommeil. 5 heures du matin. Les premiers trains arrivent à la gare Saint-Lazare dans une ambiance relativement calme, amenant de Versailles, de Saint-Germain, d'Argenteuil et de plus lointaines banlieues encore les premiers travailleurs. Tandis que d'autres, désertant Paris, se dirigent vers les grands centres industriels de la périphérie ouest. Déjà 15 000 voyageurs ont été transportés. Une agitation fiévreuse s'empare de la gare. La cadence du mouvement augmente avec l'inexorable progression. Telles de longues chenilles, les rames se faufilent dans les voies et s'insinuent entre les quais qui ressemblent à autant de fleuves humains déversant leurs courants multicolores qui vont aller se perdre et se fondre dans l'océan parisien. En 60 minutes, plus de 40 000 voyageurs ont pris place dans les trains mis à leur disposition. Vendeuses, courtiers, commerçants, midinettes, artisans, employés, enfin tout ce qui fait Paris et n'est pas de Paris se retrouve, se croise, se heurte et se mêle ici dans un bourdonnement de ruches affairées. La poussée de fièvre monte encore. C'est entre 8 et 9 heures que le trafic matinal atteint son paroxysme avec environ 50 000 voyageurs. En 4 heures, plus de 100 000 personnes auront été transportées. Mais on est loin du record quotidien horaire de Saint-Lazare. Le soir, c'est autre chose. Mais n'anticipons pas. Un peu avant 9 heures, les derniers flots s'écoulent sans hâte et presque subitement l'agitation disparaît, faisant place à un calme tout relatif. Si le va-et-vient des rames s'est beaucoup apaisé, il n'en restera pas moins régulier et assez fréquent.
car c'est surtout le nombre des voitures qui a diminué, permettant ainsi aux usagers peu soucieux de l'heure de trouver souvent un train à leur disposition et d'arriver presque au centre de la capitale dispo et détendu, comme cet important personnage raisonnable et surtout indifférent aux problèmes de la circulation et à celui du stationnement pour sa voiture. Saisissant contraste, ces petites rues de la banlieue bordaient de coquets pavillons aux jardinets fleuris. Toute vie semble avoir disparu. Même dans ces grands immeubles où réside toute une population laborieuse, le calme s'est installé. C'est d'ici et de là que sont partis tout à l'heure et reviendront ce soir les voyageurs sans bagages du travail quotidien. Sur toutes ces terres qui furent verdoyantes et boisées, jadis parcourues par le petit chemin de fer de Saint-Germain, où il y a quelques décades encore les maraîchers arrosaient choux, salades et poireaux, ce sont aujourd'hui des cités et des villes presque entières, véritables fourmilières humaines qui ont été construites ou se construisent, augmentant ainsi de façon prodigieuse d'année en année la densité d'une population toujours croissante. Ceci pose au chemin de fer un problème de transport sans cesse renouvelé. C'est aussi, et c'est encore dans la banlieue de la région parisienne desservie par Saint-Lazare, que sont installées quantité d'usines les plus diverses, et une grande partie de l'industrie automobile constamment en évolution. À quelques kilomètres de la grande gare, chaque jour voit, dans ce triage spécialisé, partir vers de lointains destins plusieurs centaines de voitures sorties des ateliers des plus grandes marques françaises. L'heure tourne. 135 000 voyageurs ont été absorbés. C'est maintenant Paris-Saint-Lazare, la grande gare orientée vers la Normandie. Cherbourg, Rouen, Dieppe, Le Havre, autant de portes largement ouvertes sur les Amériques et l'Angleterre. C'est un foyer de rayonnement sur une des plus grandes parties du monde. Les voyageurs étrangers, souvent hôtes de Paris, ne font-ils pas aussi partie des grands banlieusards de la capitale du monde? Comment faire autrement que de l'affirmer avec la sécheresse peu poétique des chiffres? Annuellement, les relations franco-britanniques représentent 336 000 voyageurs et les transatlantiques 174 000. Tous ces voyageurs partent, plus ou moins joyeux, mais toujours avec une espèce de petit regret nostalgique. Ah, Paris. h 30, les quais et la plateforme sont presque déserts. Le cœur de Saint-Lazare bat au ralenti. Dans les cabines d'aiguillage dirigeant entrée et sortie, le calme a succédé à l'activité. C'est la trêve de l'après-midi. Si l'on peut appeler trêve la période qui voit circuler tranquillement jusqu'à 18h, plus de 95 000 voyageurs. Saint-Lazare banlieue, on le voit, n'est pas seulement la gare des travailleurs. Le dimanche même ne lui laisse aucun répit. C'est le jour des fanatiques du ballon rond qu'il faut transporter rapidement au stade de Colombes. Pour certains grands matchs, 24 000 billets sont distribués en 2 heures de temps. Payant leur tribut à la desserte d'une banlieue riche en souvenirs historiques, les trains emportent dans leurs flancs provinciaux et touristes vers Saint-Germain et son château, qui furent, avant Versailles, la principale résidence royale des environs de Paris.
Point n'est besoin d'aller loin pour trouver de jolis paysages calmes et reposants, pleins de couleurs douces, comme ceux de l'île de France au milieu desquels se trouve Versailles, la ville royale avec son château, ses jardins, ses parcs, son histoire et son prestige. Mais les dimanches d'été, ce sont surtout les Parisiens de Paris avides d'air pur qui se pressent vers les rames de banlieue afin d'aller goûter dans les bois de Chaville, de Saint-Cloud ou de Marly un repos bien gagné. La gare Saint-Lazare possède dans son sein un véritable petit village. C'est la galerie des marchands, avec tous ses commerçants et un cinéma, qui offre aux voyageurs toujours pressés et aux chalands qui se bagnaudent leurs services et leurs distractions. Le cadeau qu'on achète ici, parfois pour une fête, c'est aussi l'objet que l'on perd et qu'on ira plein d'espoir rechercher parmi la multitude des objets trouvés. C'est ici le spectacle d'un bazar où rien n'est à vendre. Voici des casiers bourrés d'articles qui feraient la joie de la brocante. Un empereur et un dieu s'y côtoient, perdus en ce milieu profane et terre à terre, parmi les choses les plus étonnantes et les plus inattendues, oubliées au hasard du voyage, dans un train, sur un quai, par toute une humanité distraite. Encore un objet trouvé? Non, ce gentil bébé se repose tout simplement au centre d'accueil de l'enfance mis à la disposition des mères de famille qui voyagent. Des mains expertes préparent le biberon comme chez soi, selon la formule rituelle des meilleurs traiteurs. D'autre part, la maman trouvera ici tout ce qu'il faut pour remédier à tout incident technique humide ou salissant, indépendant de la volonté de son charmant bambin. Sur la place du Havre, les pigeons vivent leur dernière minute de tranquillité de la journée. 6 heures du soir, on ferme. C'est pour la majorité des magasins, bureaux et ateliers, la fin du travail quotidien. C'est l'heure de la grande marée humaine qui monte et déferle comme un mascaré à l'assaut du fleuve. C'est l'heure des gens pressés de goûter un repos bien gagné, loin des bruits de la grande ville. C'est l'heure des rendez-vous et celle de ceux qui n'ont pas rendez-vous. C'est l'heure de tout le monde. C'est l'heure de la foule. Toujours la foule de chaque jour à la même heure. Une foule de gens qui se connaissent et s'ignorent à la fois. Une foule qui marche, qui piétine et monte vers la salle des pas perdus. La fièvre s'empare à nouveau de la grande gare, qui va pendant une heure vivre intensément sous le contrôle de ses cabines d'aiguillage. Déjà, loin du tumulte, les premiers libérés du travail arrivent chez eux. Et dans quelques instants, ils ressembleront tous à celui-ci, détendu et confortablement installé sous les frais ombrages de son jardin, à moins évidemment qu'il n'habite en appartement. Et la foule, toujours la foule, irrésistiblement attirée. À la fois spectateurs et figurants, les habitués de Saint-Lazare continuent à jouer leur vrai rôle dans le vrai décor d'une vraie pièce et dont la mise en scène est réalisée par le naturel de chacun. Le rythme va crescendo jusqu'au galop, scandé par le bruit des pas et des trains.
Dans les coulisses de cette grande scène parisienne, les machinistes, aiguilleurs rapides et sûrs, commandent les changements de décor. Versailles, Saint-Germain, Argenteuil et autres toiles de fond. Lorsque les horloges et les pendules finiront de grignoter la 60e minute de cette heure cruciale, plus de 67 000 voyageurs auront été transportés par les 141 trains mis en route à la cadence d'au moins 2 par minute. Bientôt 19h, cours du Havre. De plus en plus pressés, les voyageurs de la dernière heure s'agitent et se précipitent vers ce home qui leur promet chaque soir le retour reposant, loin des tempêtes de la ville. La nuit est revenue. Au milieu de la ferie multicolore des enseignes lumineuses, la gare Saint-Lazare s'est assoupie. Mais elle ne dort que d'un œil, et jusqu'à 2h du matin, quelques 22 000 noctambules vont lui demander aide et circulation. Ses lumières animées et polychromes sont comme un avant-propos du spectacle de Paris la nuit, offert aux voyageurs étrangers qui arrivent. Elles éclatent comme un feu d'artifice qui serait tiré chaque nuit à la gloire du petit chemin de fer, devenu grand. 378 000 voyageurs transportés en 24 heures, soit largement les populations de deux villes comme Bordeaux et Dijon réunies, ou bien plus de trois fois celles d'un port comme Rouen. Voilà ce que chaque jour de la semaine exige de la gare Saint-Lazare, une des plus grandes vedettes de la vie parisienne. Ici se termine l'histoire du petit embarcadère du pont de l'Europe, devenu la grande gare Saint-Lazare. Ah, monsieur Thiers, si vous pouviez voir ça! Presque 380 000 voyageurs par 24 heures. Et ce n'est pas fini, car l'avenir est plein de promesses d'expansion. Aussi, devant cet exemple, peut-on avoir un bon espoir dans les victoires futures du travail humain ?